Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Maintenant, Student of the Month est commencé. Yeah! Vous devez vous demander qui est choisi pour ce mois-ci. Et pour ça, nous allons téléphoner une étudiante que nous avons choisi pour nous joindre Student of the Month. Student of the Month pour ce mois-ci est une jeune fille et elle est belle. Ok, allons-y. J'espère qu'elle peut nous joindre. Allô. Allô, est-ce que avec Audrey, l'étudiant à LinguaTalk? Oui, vous avez raison, Audrey. D'accord, bonjour Audrey. Je m'appelle Noé Pujakusuma, je suis professeur à LinguaTalk. En ce moment, nous avons une activité à savoir Student of the Month. Et vous êtes sélectionné à devenir Student of the Month pour ce mois-ci. Je dis félicitations pour vous. Et maintenant, nous allons jouer à des jeux et vous donnerons un prix si vous pouvez répondre à nos questions. Êtes-vous intéressé? C'est super, oui, je suis intéressée. D'accord, mais d'abord, vous devez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey, je viens de Semarang. Maintenant, j'ai 19 ans et je suis étudiante qui prend la nature en art et dessin. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'art, la musique, le film et tout ce qui concerne la visuelle. En film, le film est le pain. Grâce au film Lupin, j'ai appris beaucoup de nouveaux vocabulaires. Une chose que me fait apprendre le français est l'accent des habitants. La plupart des gens ont dit que le français avait un accent unique. À cause de ça, je peux amener juste d'apprendre à l'époque au lycée. Wow, c'est génial! Et ensuite, je vais vous poser une question. Quelle est la raison principale pour laquelle vous prenez des cours de français à LinguaTalk? J'ai décidé de prendre le cours parce que je veux améliorer mon français que j'ai appris au lycée. Puis je veux parler français couramment pour que je puisse avoir une relation et une carrière en français. D'accord. Et ensuite, pourquoi avez-vous choisi LinguaTalk? J'ai connu LinguaTalk depuis un an et je pense que LinguaTalk peut être une plateforme où je peux améliorer mon oral. Donc voilà, j'ai choisi LinguaTalk. Donc, selon vous, LinguaTalk est très utile pour votre processus d'apprentissage. Mais si je veux savoir quel est votre projet de carrière en ayant des compétences en français. Jusqu'à présent, je peux toujours apprendre et m'améliorer. Donc, un jour, je pourrais voyager en France et parler couramment. En fait, j'aimerais pouvoir y avoir une expérience de travail. J'espère que votre projet se réaliserait. Ok, merci pour votre présentation, Audrey. Et ensuite, comme j'ai parlé au début, nous allons jouer des jeux. C'est un jeu intéressant qui s'appelle Rapid Fire Question. Donc, la règle du jeu, je vais vous poser quelques questions et vous devez répondre dans les 10 secondes. Les questions seront posées et répondues en français. Et la question porte sur les activités quotidiennes ainsi que le on sait que sur la tendance en France. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. D'accord, je commence. Qu'est-ce qui vous a fait aimer la France? La langue. Quelle activité aimez-vous le plus? Regarder les films. Choisis d'être seul ou d'avoir un copain? J'ai choisi d'avoir un copain avec une libre. Êtes-vous à l'aise avec la façon dont votre vie se déroule actuellement? Je suis simple. Trois mots pour LinguaTalk. Moderne, facile, flexible. De toutes les leçons, qu'est-ce que vous préférez? Je préfère apprendre comment prononcer en français. Qu'avez-vous appris la semaine dernière? Mon cours s'est terminé et j'ai appris beaucoup de choses.
puis je connais ma faiblesse pendant le coup et je peux l'améliorer. Nommez quelque chose d'unique que vous aimez chez Emily et Paris. Je n'ai pas encore répété ça. Croissant ou baguette? Croissant. Votre artiste préféré? Mickey. Quelle est votre date de naissance? Le 14 février. Quel est votre zodiac? Le Verseau. Regardez un film ou une série dramatique? Une série dramatique que ne plus dramatique pas. Le roman ou la bande dessinée? Le roman. En thé ou en café? En thé. Quel chanteur français aimez-vous? Cherche Nathan. Si vous êtes en France, dans quelle ville aimeriez-vous visiter? Lyon. La Tour Eiffel ou le Musée de l'eau? Le Musée de l'eau. Quel est votre goût en ce moment? Être heureux avec moi. Quel est votre animal favori? Un chien. Yeah, c'est fini Audrey. Félicitations, vous avez répondu à toutes nos questions. Vous êtes géniale. Ensuite, je vous remercie d'avoir pris le temps de jouer avec nous. J'espère que tous vos rêves se réaliseront bientôt. Et le dernier, merci Audrey. Au revoir. Au revoir, merci. Halo teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Beasiswa belajar bahasa asing sebesar 25 juta. Nah, teman-teman, Linggotsok lagi ada kegiatan nih. Apa sih kegiatannya? Yaitu Linggotsok Next Top Scholar. Untuk teman-teman yang penasaran dengan program ini, lebih lengkapnya bisa langsung nih kepoin Instagramnya Linggotsok, yaitu di @linggotsok. Bisa langsung dilihat juga nih persyaratannya, dan jika teman-teman berminat untuk mendaftar, jangan lupa nih untuk mempersiapkan berkas-berkasnya. Dan daftar juga di link yang tertera. Ditunggu ya partisipasinya. Thank you.